Allez, au fait, tu vois, ils sont. Parce que Zarco, il va être entre les deux, je pense. Veste, pas veste, Manu. Arrête Manu. Dans les shorts, les gars. Ouais, ouais. Mais ma parole, frère, c'est génial. Mais oui, ils sont en soi. Mal, ils ont touché mal. Ils ont touché mal. Pitcher officiel. Arrête, il y a forcément un petit peu de pression au moment de cette photo d'équipe, même quand on a l'habitude, parce que ça fait quand même quelques années que j'ai la charge de cette photo. Mais voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. On sait que derrière, la photo passera quand même en retouche. Donc on sait qu'on a cette roue de secours hein, pour éventuellement retirer un élément disgracieux. Mais par contre, on n'a pas le droit à l'erreur de cadrage, on n'a pas le droit à l'erreur de mise au point. Ouais, c'est pas mal de pression, mais c'est une bonne adrénaline quand même. Premier temps, on va dérocher, c'est-à-dire on va visionner toutes les photos afin de déterminer celles qui vont être les plus intéressantes pour nous. Donc vous voyez, il faut regarder vraiment les visages de chacun. Est-ce que les yeux sont ouverts, fermés? Est-ce que le sujet regarde bien dans la bonne direction? Ça, c'est tout un travail préliminaire qui est hyper important. Et la seconde étape, ça va être un peu de cleaner la photo, c'est-à-dire enlever tout ce qui est disgracieux. Ça veut dire les petits côtés des estrades. Vous voyez, comme on voit là, à côté de Geoffrey Malfleury, on va gommer tout ce qui fait partie du paysage, mais qui n'est pas intéressant, parce qu'il faut vraiment que ce soit le sujet, c'est-à-dire le footballeur, qui soit mis en avant. On va s'en servir toute la saison, donc il faut vraiment qu'elle soit au top. Elle va être diffusée dans la presse, elle va être diffusée sur les écrans géants, tout type de support confondu, donc il faut vraiment que la photo soit nickel. On y va. Vérifier que tout le monde soit bien... Ouais. Participer à la photo d'équipe pour ma première fois, c'est vrai que ça fait plaisir. Surtout que voilà, j'ai été formé ici et avant je voyais les joueurs sur la photo et maintenant j'y suis. Bon, c'est vrai que c'est pas un aboutissement, mais ça fait toujours plaisir et voilà, on va continuer à travailler pour y être chaque année. Ouais, j'ai participé à cette photo d'équipe enfin. Pour moi, c'est quelque chose de très symbolique. C'est une récompense, surtout sur ma fin de saison. Je pense que j'ai fait une bonne fin de saison. Après, je me dis que c'est que le début, j'ai fait quelques apparitions, mais je ne m'arrête pas là, je me dis que le chemin il est encore long. Je pense que c'est un signe assez fort, maintenant c'est à moi de répondre présent sur le terrain. Participer à ma première photo d'équipe avec l'effectif professionnel du Havre, c'est quelque chose d'assez sympa. Et puis je pense que la photo, je la garderai dans mes affaires souvenirs pour plus tard. On a le sentiment d'avoir franchi un palier, puisqu'on sait que quand même pour avoir un contrat professionnel, c'est pas donné à tous. Donc c'est une première étape. Maintenant, après, ça ne suffit pas, je dirais, d'être dans un effectif professionnel. Après, il y a une autre étape à franchir, mais c'est sûr que ça fait plaisir. Je vais garder quelques posters pour envoyer un petit peu à tout le monde, que ce soit la famille, les amis, ils seront contents. Merci, messieurs.